Bienvenue sur autoplus.fr, au sommaire les nouvelles photos de la Kia Ceed, l'élection des pilotes Campos Meta sur Facebook, un volant pour iPhone et enfin le volant d'or autoplus. Après un premier teaser divulgué le 14 juillet, Kia nous propose deux nouvelles photos de sa Ceed. La compacte a subi pour son 3e anniversaire une refonte totale de son look. L'habitacle n'est pas en reste, le constructeur annonce déjà une dotation de série enrichie. Le premier cliché de l'habitacle nous permet de découvrir les nouveaux dessins de la console centrale et du volant. Enfin, sous le capot, comme il est d'usage ces temps-ci, consommation de carburant et émissions de CO2 ont été revues à la baisse. Les diesels profitent notamment du système d'arrêt automatique du moteur, une première pour la marque. Rendez-vous au salon de Francfort le 16 septembre prochain pour découvrir les nouvelles Kia Ceed, 5 portes et break. Les jeux de voiture sur iPhone, ce n'est pas ce qui manque, alors pour éviter d'avoir l'air débile dans le métro ou sur votre canapé à pencher votre téléphone de droite à gauche lors de vos courses effrénées, voici la solution, le volant pour iPhone et iPod Touch. De quoi aborder les courbes de manière plus réaliste et jouer de façon plus interactive. Comptez pour cet accessoire 24€ chez AMA et environ 20€ chez CTA Digital, frais de port non compris. Le site communautaire Facebook est à la mode et il s'y cache des infos inédites. Tiens par exemple, Campos Meta, l'une des trois nouvelles écuries qui pointera le bout de son nez en Formule 1 en 2010, a lancé sur sa page officielle une grande consultation afin de choisir ses futurs pilotes. Parmi les 5 prétendants au titre, de premier pilote, on note Robert Kubica, Marc Genet, troisième pilote Ferrari, ou encore Pedro de la Rosa, actuel pilote essayeur pour McLaren. C'est d'ailleurs lui qui a pour le moment toutes les faveurs du public. Pour le baquet de second pilote, Bruno Senna est au coude à coude avec l'Espagnol Javier Villa. En revanche, aucune trace de Natasha Gauthier, un moment pressenti pour rejoindre le team. Réponse officielle le 23 août prochain, au Grand Prix de Valence. En parlant F1, autoplus.fr et Toyota mettent en jeu sur le blog de Jean-Louis Moncey deux week-ends VIP pour deux personnes pour assister au Grand Prix de Formule 1 de Spa en Belgique le 29 août et les 30 août prochains. Pour participer au tirage au sort, rien de plus simple, il suffit simplement de poster un commentaire. Fin du jeu le 21 août à midi. Enfin, dernière chose, Autoplus, en collaboration avec 26 titres automobiles, organise le Volant d'Or 2009 et a besoin de vous pour élire dans chacune des 6 catégories représentées la meilleure nouveauté de l'année. De l'IQ à la Mégane en passant par la Panamera ou la GTR, faites vos jeux. Pour participer, rendez-vous sur autoplus.fr. Le scrutin s'achève le 31 août. Merci de nous avoir suivis et à demain.